C'est à Saint-Estèphe, à 1 heure de route de Bordeaux, que l'hydrocile est mise en œuvre pour les bassins tampons pluviaux d'un futur lotissement de 21 logements. L'hydrocile, ici fabriqué par Alkern, est un élément en béton préfabriqué qui est issu des recherches du CERIB. Il offre une capacité de vide de 60% tout en garantissant une résistance très élevée. C'est ici un atout, car par manque de place, le plus gros des deux bassins est situé sous la future voirie principale du lotissement. Il doit donc être capable de supporter les contraintes d'un trafic léger mais régulier, sans avoir recours à un ouvrage de reprise de charge. La mise en place de l'hydrocile est particulièrement aisée puisque, après le terrassement et la pose d'un duo géomembrane géotextile, pour éviter le poinçonnement et se protéger de la nappe toute proche, il suffit d'une pelle mécanique pour que le produit trouve sa place dans le futur bassin. La résistance de l'hydrocile et sa mise en place en vrac facilitent grandement cette opération. Ensuite, une seule passe de compactage est nécessaire avant fermeture de la fouille.